Bonjour à tous. L'année 2021 se termine, une année perturbée par la Covid. Je tiens ici à remercier l'ensemble du personnel du CCAS et de la ville qui ont réussi à maintenir le service public en état de fonctionner et qui a répondu à l'ensemble des besoins de nos citoyens. Je voudrais aussi avoir une pensée pour les bénévoles des associations qui, grâce à eux, ont pu continuer à fonctionner, ces associations qui sont éminemment essentielles pour le fonctionnement de notre bien-vivre ensemble. Pensez aussi à vous, qui avez réussi, grâce à la mise en place des gestes protecteurs, à sauvegarder notre fonctionnement, notre communauté, et qui a permis à chacun, je l'espère, de rester en bonne santé. Pour l'année 2022, l'équipe municipale a la ferme intention de vous permettre de participer à la vie municipale. Trois projets vont vous permettre de vous exprimer. Le premier est le projet Cœur de Ville. Dans ce projet, peut-être que vous aurez la chance d'être tiré au sort pour être les ambassadeurs de ce projet, ou sinon vous pourrez participer aux ateliers citoyens qui vont se dérouler tout au long de cette année 2022. Il y a aussi ce projet Inspire, ce bus à haut niveau de service qui doit relier la ville de Clermont à la ville de Cournon en 30 minutes et pour lequel une enquête publique va se dérouler à partir du mois de juin jusqu'à mi-juillet et pour laquelle chacun pourra venir s'exprimer et donner son avis. Et puis il y aura aussi les élections, moment démocratique par excellence pour notre ville, où j'invite chacun soit à s'inscrire déjà sur les listes électorales, mais aussi à venir voter pour les présidentielles et pour les législatives. Être un maire en 2022, c'est à la fois être un maire stratégique qui aménage sa ville, mais aussi un maire de proximité. Et je vous invite à venir à ma rencontre chaque mois sur le marché du samedi ou le marché du vendredi, et aussi dans mes permanences sans rendez-vous. J'irai à votre rencontre à chaque fois que ce sera possible, et je vous invite ensemble à ce qu'on puisse dessiner notre ville de demain. Bonne année 2022 à toutes et à tous.